plus authentique qu'il était, je parle de l'école de Pythagore dans la Grèce antique et au-delà, et c'est aussi quelque chose qui est un sujet de recherche tout à fait actuel. Je suis pas payé d'ailleurs, pour le savoir, puisque je suis éditeur en chef du journal de maths et musique. Peut-être que c'est mieux là. Ok, donc il y a un journal de mathématiques et musique, il y a un colloque biannuel qui cette année va avoir lieu à Atlanta en Géorgie. Donc il y a de la recherche très compliquée avec des maths très difficiles, mais partez pas, hein, pour être sérieux, c'est bien. Je vais vous raconter plutôt des aspects un peu ludiques et assez amusants. En fait, ces rapports entre maths et musique sont aussi une manière de récupérer des gens qui ont des soucis un peu en maths des fois, parce que les professeurs de maths sont des sadiques. Je sais, j'en ai été un pendant longtemps. Et en revanche, la musique, ça plaît absolument à tout le monde. Alors, si je retrouve ma télécommande, je vais commencer par vous faire bosser un tout petit peu, mais ça va pas être méchant. D'abord, on va réduire l'ensemble de tous les sons possibles qui est infini, ce qui est un peu beaucoup, même pour un mathématicien, à quelque chose de beaucoup plus raisonnable, et pour ça je vais vous demander de chanter au clair de la lune, parce que je pense que tout le monde sait chanter au clair de la lune. Vous avez la note ? Ah, oui, après les paroles de Smoke on the Water, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir tout à l'heure que ça s'organise, ce qu'on vient d'entendre, sur un ruban de Möbius à la stupéfaction générale. Donc pour l'instant, on commence par au clair de la lune, on commence par le fa sièdre. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon, merci. C'était super, vous avez chanté juste, ce qui n'est pas toujours le cas quand je fais faire ça dans une grosse conférence. Donc là, vraiment, je suis content. Ce que je voulais que vous remarquiez, c'est qu'il y avait des voix un peu plus mâles et des voix un peu plus féminines, disons des voix graves et des voix aiguës, mais vous aviez le sentiment de chanter la même chose. Alors ceux qui ont déjà fait un peu de solfège sont au courant que ça signifie qu'on chante avec un intervalle qui est bien défini, qui est l'intervalle le plus simple, qui est l'intervalle d'octave. Bon, c'est un terme un peu pour spécialistes, enfin, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est quelque chose qui est une vérité psychoacoustique. C'est vrai dans toutes les époques, dans tous les pays du monde, on identifie des notes qui sont à une octave de différence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette octave, physiquement? Dans la vibration sonore qui constitue un son, ça veut dire qu'il y a un rapport de fréquence qui est égal à 2. Et ça, ça veut dire que quand on monte les sons, eh bien, quand on arrive d'octave au-dessus, on est à la même note. Là, presque 12 notes, on se retrouve à celle de départ. C'est comme un escalier où quand on monte au troisième étage, on se retrouve au rez-de-chaussée. Fontaine qui coule, qui coule, qui coule et qui se retrouve à la source. Je ne sais pas si vous connaissez cette gravure. L'idée est d'un mathématicien anglais qui s'appelle Roger Penrose et la gravure est de Mauricius Escher. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, toutes les notes se retrouvent sur un cercle. On monte, 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 on se retrouve au départ. C'est circulaire comme structure. Alors évidemment, les vraies notes. Dans un orchestre, celles d'un violoncelle ne sont pas les notes d'un violon, mais il y a cette identification à quelque chose près où on les appelle pareil. C'est pas exactement le même son, mais c'est la même note. Quand je fais la distinction entre un son et une note. Bon, tais-toi, toi. Alors là, vous aviez en plus un paradoxe auditif, j'espère que ça vous a plu. On avait vraiment l'impression, et c'était pas qu'une impression, qu'on montait la gamme et qu'effectivement on retrouvait la même note. Ça, c'est un dosage des harmoniques que je vous expliquerai pas parce que j'ai pas le temps. Aujourd'hui, la conférence est trop courte. Mais je vais vous parler un petit peu des harmoniques, et justement des harmoniques au-delà de l'octave. Pour ça, je vous joue une petite musique qui est super pour commencer un concert de toute façon, même si elle est souvent jouée en bis, c'est une arietta de Grieg. Thank you.
précieuse, j'adore la jouer, mais là, elle a un intérêt scientifique en plus. Dans le petit arpège qu'on entend au début, ici, ça a l'air extrêmement naturel. Si vous faites très attention à la disposition des notes, on a un intervalle assez large, c'est l'octave dont je parlais tout à l'heure, un intervalle plus petit, une quinte, un intervalle plus court, encore. Et là, il faut prêter l'oreille, cet intervalle-là est un peu plus grand que le suivant. Pour ceux qui font de la musique, c'est une tierce majeure et une tierce mineure. Je vais juste le prendre en dessous. Et en fait, ces sons-là, et ce sont des sons qui sont parfaitement naturels. Je ne peux pas voir le piano, je vais tout faire tomber, mais on va essayer quand même. Vous avez entendu dans la résonance de la note grave. En fait, j'ai joué une seule touche et on entendait les notes de cet arpège. Paradoxalement, d'ailleurs, dans l'arpège, on n'entendait pas la note grave que j'ai jouée tout à l'heure, mais les notes de cet arpège, c'est ce qu'on appelle les harmoniques de la vibration de cette corde-là. On l'entend celui-là. Et ça, c'est donc le phénomène naturel de la vibration du son. Tout son musical, je dirais, pas forcément le son de la voix ou quand on froisse un papier, hein, mais tout son musical va avoir une répartition avec des harmoniques. Et ça s'explique de manière mathématique aussi, même si c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps. Alors, je vais vous présenter dans la diapo présente la seule équation de la conférence. N'ayez pas peur, encore une fois, partez pas. Je ne vais pas résoudre l'équation devant vous, je donnerai juste le résultat. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Alors, la répartition des harmoniques sur ce qu'on appelle un spectrogramme, qui est gradué avec des hertz, hein, si vous avez vu ça en physique, c'est que vous avez des vibrations à une certaine fréquence, ici, mettons 400 hertz, et puis vous avez 800 hertz, 1200 hertz, 1600 hertz, etc., etc. Et on a comme ça, quand on mesure, ça c'est l'effet, je vais mesurer avec le son d'un piano, quand on mesure ces harmoniques, effectivement, on voit que certaines fréquences ont une grande valeur et les fréquences autour, rien ou à l'eau, que dalle. Donc ça, c'est quelque chose de complètement naturel, c'est ce qu'on appelle un spectre harmonique. Et quand vous chantez une note, quand vous jouez sur un instrument à vent, un instrument à cordes, y compris un piano, vous avez ces vibrations. Alors pourquoi ces vibrations, elles ont des fréquences qui sont réparties comme ça? Ça s'explique avec l'équation de D'Alembert, qui date de 1729. Et le secret de sa résolution, c'est que la corde, une corde qui vibre, comme les cordes à piano sont attachées là et là, eh bien, elle est attachée au debout. Et au debout, elle ne peut pas bouger, parce que quand on est attaché, on ne peut pas bouger. C'est vachement sophistiqué comme explication. Alors, n'ayez pas peur de l'équation ici. Hein, si vous n'avez pas, vous n'avez pas encore fait l'équation des rayons partiels. Oh là là, le niveau baisse, hein, c'est terrible. Non, même en deuxième année de prépa, on y touche à peine avec des pincettes, rassurez-vous. Donc l'idée, elle est très simple. Là, vous avez la corde qui vibre et les solutions, encore une fois, n'ayez pas peur, ça fait pas mal, les solutions ont cette forme-là. Alors, la lettre sigma, ça veut dire on fait une somme. Ce n'est pas la peine de prendre des notes, hein. On peut sur Internet si vous voulez, ça s'appelle l'équation de D'Alembert. Et on a des termes, alors ça c'est une constante, et on a des termes qui dépendent de x et des termes qui dépendent de t. Alors x, c'est cette dimension-là. C'est la position sur la corde. Et alors vous voyez que quand x est égal à 0, par exemple, vous connaissez les sinus peut-être quand même. Sinus 0, ça fait 0. Donc quand on est à un bout de la corde ici, en 0, ça fait toujours 0. Parce que x égale 0. Et au point L, ici à l'extrémité de la corde, quand x est égal à L, ça va faire sinus nπ. Avec n en entier, ça c'est plus compliqué, mais ça fait 0 aussi. Je pense que vous le savez. Donc, tous ces termes-là valent 0 aux extrémités de la corde. Et en fait, on peut décomposer le signal musical comme une somme de vibrations sinusoïdales que vous voyez ici, la première, la deuxième, la troisième. Et les fréquences de ces vibrations sont des multiples de la fréquence dite fondamentale, parce que vous avez cette formule ici avec le cosinus ici qui dépend du t. Et sa fréquence qui se calcule à partir de l'expression là-dedans, c'est croyez-moi sur parole, elle est multiple de n, c'est-à-dire c'est n fois la fréquence fondamentale, la fréquence quand n égale 1. Vous voyez, si je fais n égale 1, il reste v sur 2l,
Et quand je reprends n général, c'est n fois f1. Je fais pas plus de maths calculatoires aujourd'hui, ça ira. Okay. Donc, ça veut dire que vous avez une nature du son qui est avec des sons purs, des sons sinusoïdaux, mais qui sont gradués très progressivement en fréquence, qui sont quantifiés, comme on dirait en physique du XXe siècle. Mais ça veut dire que vous pouvez avoir des coïncidences, des fréquences qui sont calculables à l'avance. Et ça va nous permettre d'élargir le spectre, si j'ose dire, d'élargir l'intérêt des intervalles, et on va bientôt arriver au hard rock avec ces quintes en particulier. Je prends deux sons, qui sont celui-là et celui-là. Ça sonne plutôt bien ensemble, et il y a une raison qu'on va élucider tout de suite. Ben, je dis tout de suite, ça c'est pas Pythagore, c'est plutôt Rameau et Euler au début du XVIIIe siècle, 1730 par là. L'époque où Bach a écrit le clavier bien tempéré aussi. Et là, j'ai fait passer un petit peu vite, mais vous constatez que les harmoniques rouges ici, eh ben, y en a une qui coïncide avec les harmoniques vertes. Enfin, elles étaient vertes, mais sur l'écran, elles sont un peu jaunes. Vous voyez que la troisième verte coïncide avec la deuxième rouge. Donc la troisième harmonique de Do, c'est la deuxième harmonique. La deuxième harmonique, c'est l'octave de Sol. Ça veut dire que les harmoniques de Do, c'est... Les harmoniques de Sol, c'est... Effectivement, cette harmonique-là va coïncider entre les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la consonance. Quand vous avez des sons qui partagent des harmoniques, bah, ils se renforcent au niveau de cette harmonique et donc ils sonnent bien ensemble. Ce n'est pas les opposés qui s'attirent, au contraire, c'est qu'ils ont des valeurs communes. On peut dire ça. Ça, c'est la théorie de la consonance de Rameau et ça a été vérifié par des expériences psychoacoustiques sur des cobayes, ce genre de choses. Donc, ça veut dire que vous avez un intervalle qui est privilégié, qui va être le plus consonant après l'octave, bah, c'est cet intervalle-là, quand vous avez un rapport de 3/2, puisque 3 fois l'une est égal à 2 fois l'autre, leur rapport est de 3/2. Et cette histoire de rapport, ça, c'était connu des Grecs, effectivement. Considérez. Pourquoi on n'a pas le son ? Parfait. Donc, si. Tous les jours, je ne vous pas. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas là. D'abord, une basse, s'il vous plaît. Oui, parfait. Ça, c'est historique. Donc, si, vous avez chanté les mêmes notes que Bord. Unisson. Bravo. Maintenant, si vous allez passer de l'unisson à la quinte inférieure. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Voilà ! C'est tout ce qu'il y a ! Unisson, quarte, quinte, et c'est marre. Tous les autres intervalles, c'est deux lames. Bon, on a dû corriger un peu pour le public. Mais c'est vrai cette histoire. Alexandre Astier s'y connaît très très bien en théorie musicale, mine de rien. Il a fait un spectacle dessus déjà. Et bon, tous les copains en citent toujours cette vidéo parce qu'elle est parfaite. Et c'est vrai qu'il y a une époque où vous pouviez finir au bûcher, voilà, au moins excommunié, enfin avoir des graves obus avec l'Église si vous utilisiez des intervalles qui n'étaient pas les intervalles purs de l'octave, de l'unisson, de la quinte, et la quinte à l'envers, c'est-à-dire la quarte. Et ça, c'est une vérité historique. Bon, je vous parle du Moyen-Âge, évidemment. Là, c'est même un peu avant le Moyen-Âge. Alors, si on fait une quinte au-dessus et une quinte au-dessous, eh bien là, on arrive, rien qu'avec les quintes, à faire de la musique, comme vous l'avez entendu tout à fait brillamment tout à l'heure. Oui, alors les quintes de tout, c'est une vanne stupide sur les pandémies. J'espère que ça vous fait rire, mais c'est pas très important. Alors, je reviens à mon diagramme d'horloge de tout à l'heure, puisqu'on a dit que les sons se refermaient de manière circulaire. Comme quand on a monté 12 notes de la gamme, on se retrouve sur la même note. Donc, ça peut être grave, ça peut être aigu, mais on va avoir des phrases, des sols, des dos. OK. Et si j'ai la quinte dessus, la quinte dessous, ça fait ce diagramme-là. Ça, c'est la quinte dessus, ça, c'est la quinte dessous. Alors, je les tourne un peu par rapport à la musique suivante, parce que je dis, avec juste ces trois notes, vous pouvez faire une basse de rock. Vous voyez une basse de rock qui peut se passer sur une horloge ? Non ? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Around the clock, we're going to rock. Et
part de clock, ça illustre parfaitement le fait que vous avez les sons musicaux qui s'organisent sur une horloge de clock. Alors, bon, vous allez me dire, un bassiste, il sait jouer trois notes. Bon, c'est bien, hein, c'est un début. Mais un guitariste, il a un peu plus de cordes sur sa guitare que sur une basse. Sur une guitare, il y a six cordes, vous allez deviner. Six cordes, donc, un guitariste peut jouer. Attention, il y a une astuce. C'est quoi les six cordes de la guitare? Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi. Ah oui, il y a redondance. La note du haut, la corde la plus aiguë, c'est la même note, enfin, deux octaves au-dessus, que la corde du bas. Donc il y a cinq notes. Alors vous allez dire que c'est parce que je ne suis pas un guitariste que je me moque des gentils guitaristes que je prétends qu'ils savent jouer que cinq notes. Mais avec cinq notes, cinq notes qui sont organisées avec des quintes, hein, parce que ça c'est la quarte, ça c'est la quarte, ça c'est la quarte, et le si, c'est la quinte au-dessus du mi aussi. Donc tout ça c'est une suite de quintes, c'est quelque chose qu'on obtient avec des intervalles autorisés par l'Église. Hein. Ah, moi je ne prends pas de risque à parler tant qu'il court. Bon, et ben, est-ce qu'avec ces cinq notes on peut faire de la bonne musique? C'était quoi le meilleur guitariste du XXe siècle? Oui, c'est Jimi Hendrix, et il était gaucher. Mais j'ai mis cette photo fausse à gauche pour deux raisons. C'est le longbord en droitier. D'abord parce que c'est celle qui est rendue en premier par Google. Image. Curieusement. Des gens qui ne voulaient pas que ce soit gaucher. Politiquement correct. Bon. Et aussi parce que, eh ben, de toute façon, regardez la gamme pentatonique, donc les cinq notes qu'il joue, il joue sur les cinq touches noires du piano. Regardez, il y a un axe de symétrie là. Donc, vous avez un axe de symétrie entre les deux Jimmy aussi. Ah, la musique est symétrique. Bon, c'est un gag de matheux, c'est pas drôle. C'est normal. Alors, si on continue à prendre la quinte de la quinte de la quinte de la quinte de la quinte, par exemple. Ça fait toutes les touches blanches, la gamme de Do majeur. Bon, si je partais d'une autre note que Fa, je trouvais une autre gamme majeure. C'est une structure de gamme, il y a des tas de gammes différentes, il y a des gammes en autre chose que cette note. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, quand on dit la gamme avec l'article défini, en général, on parle de celle-là. Quand on dit la gamme en Chine, on parle plutôt de la gamme pentatonique. Quand on dit la gamme comme ça dans une conversation, je ne sais pas, ça dépend de votre contexte culturel. Il y en a des tas de possibles, mais avec la pentatonique et la gamme majeure, dites aussi la gamme diatonique, vous avez en gros 90% de la musique du monde entier. Alors, je vais vous faire entendre un petit morceau de Debussy, un de ses préludes de 1910, où on entend en fait la gamme pentatonique et la gamme majeure, l'une qui contient l'autre. On entend une autre gamme pentatonique, qui est celle-là, et donc un compositeur va s'amuser à jouer entre ces deux gammes. Bon, Debussy était très fort là-dessus, hein, il était très conceptuel dans sa composition, même si la pièce appartient à ce qu'on appelle le répertoire impressionniste, et ça donne beaucoup d'impressions, de visualisation dans l'esprit. Donc voilà la fille aux cheveux de lin, avec ces deux gammes, l'une incluse dans l'autre. Thank you.
l'époque, mais on peut analyser énormément de pièces de musique, y compris de musique populaire, ou rock, de nos jours, en termes des gammes qui sont utilisées. Et mes objectifs dans ce genre de conférence, c'est qu'en ressortant d'ici, vous ayez l'oreille prête à vous dire, en écoutant une musique, à la radio, sur Internet, je ne sais pas quoi, « Ah tiens, ça c'est de la pentatonique. » C'est une petite indication quand vous avez un solo de guitare. Typiquement, dans un morceau de rock, le solo va se faire sur une gamme pentatonique. Écoutez Knopfler, on a entendu Jimmy tout à l'heure. C'est rituel. C'est la gamme qu'on utilise à la guitare. Alors, donc là c'est très pratique parce qu'on a une inclusion d'une gamme dans l'autre. Donc on n'a pas besoin de rajouter des notes nouvelles, ce qui donne un climat plus paisible qui va très très bien avec ce style de musique. Alors, là, il y a une raison profonde pour laquelle, quand on fait la quinte de la quinte de la quinte de la quinte de la quinte, le piano est un poil trop petit, mais on allait retomber sur la note de départ, enfin 7 octaves au-dessus. C'est-à-dire que 12 quintes, ça fait 7 octaves. L'ennui, c'est que c'est presque. Ça, c'est des quintes parfaites, sauf la dernière. L'avant-dernière. Vous avez entendu ? Ça sonnait faux. Ben, en fait, vous avez 11 quintes qui sont justes et la dernière qui ne referme pas. C'est pour ça que le prêtre, tout à l'heure, il ne voulait pas qu'on s'amuse à aller chercher des intervalles plus compliqués. Parce qu'il y a un moment, ça ne se referme pas. Ça, c'était connu des Grecs. C'était connu des Grecs. 12 quintes, ça ne peut pas faire exactement cette octave. Ça, vous pourriez le démontrer, je pense. Si, quel type de raisonnement ? Oh, je ne sais pas si j'ai le temps. Moi, j'aime bien. Si j'avais l'égalité, je fais comme si c'était vrai et je montre que c'est faux. C'est un raisonnement par. Donc, j'aurais 3 sur 2 puissance 12 égale 2 puissance 7. Ça ferait 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. C'est un peu vite. Mais une puissance de 3, c'est un pair. Une puissance de 2, c'est pair. Donc, c'est pas pépère. Hein, ça ne marche pas. Donc ça, c'est pas possible, et Pythagore le savait, s'il a existé. Ou en tout cas, les gens de son école le savaient. Alors, une solution, c'est de jouer de la musique où vous n'avez pas la quinte fausse, la quinte du loup. Là, je joue sur la quinte fausse. Là, on se dit, c'est désaccordé, quoi. Donc, c'est pour ça que pendant très longtemps, quand vous faisiez un concert, vous aviez votre accord avec les quintes toutes justes, et vous jouiez seulement dans 2-3 tonalités sans aller chercher des passages où vous avez à avoir la quinte fausse. Ouais, en plus, il y avait aussi des problèmes avec les tierces, etc. Je vous passe les détails. Bref, que faire ? Bah, on peut tricher, on peut arranger un petit peu les quintes, qu'elles ne soient pas tout à fait fausses, pas tout à fait justes. Ça, c'est joué par exemple avec un tempérament où certaines quintes sont un peu plus courtes que les autres. Un bon tempérament au sens de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez son écriture d'ailleurs. Alors il y a une hypothèse qui a été avancée par des musicologues récemment, qui est que le zigzoui qui est là, en fait, c'était sa recette pour accorder son clavecin. C'est partout qui dit ça. On n'est pas sûr, mais peut-être que là, ça veut dire, ces trois quintes là, c'est des quintes justes, où je fais mon tour de clé pour accorder, à vide, quoi, normal. Là, je fais un tour de clé supplémentaire, un petit zigzoui. Et là, je fais deux tours de clé supplémentaires. Alors, combien vaut le petit tour de clé supplémentaire ? Ben, on règle pour que ça se referme. Enfin, bon, il y a des tas d'articles écrits là-dessus, j'en ai même fait un. Hein. Juste pour embêter les autres. Bon. En tout cas, ça c'est le Graal. Comment est-ce que Bach accordait son clavecin ? C'est sûr qu'il n'avait pas toutes les quintes égales. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on fait avec un piano moderne, dans un morceau de pop sur Internet ? Eh ben, on fait les quintes toutes égales. C'est-à-dire, on les raccourcit un tout petit peu pour que ça ne dépasse pas les 7 octaves. Du coup, toutes les quintes sont fausses. Mais comme ça, tout le monde est d'accord. 7 à 12, bol au centre. Alors là, je vais vous jouer, maintenant qu'on a nos 12 notes dans la gamme, et ben, on peut les répartir différemment. Faire par exemple la gamme à 6 notes, qui s'appelle la gamme par ton. Et avec cette gamme par ton, Debussy l'utilise beaucoup, mais aussi des gens comme Gershwin, dans le jazz ultérieurement, etc. Et là, on n'a pas d'inclusion comme tout à l'heure entre la gamme pentatonique et la gamme. Là, vous voyez au contraire sur le diagramme que
que la gamme parton, c'est cette gamme triangulaire en hexagone bleu. La gamme pentatonique, c'est le pentagone presque régulier. Il y a trois notes communes qui sont ces notes-là. Et vous allez les entendre quand le morceau bascule d'une gamme sur l'autre. Donc prêtez attention à ce passage. On va passer de la gamme parton à la gamme pentatonique. Voile de Debussy du même cahier. De savoir dans quel ensemble de notes on travaille. Donc, pour exemple, le terme d'ensemble, qui est un terme mathématique, né avec Georges Cantor en 1880, parce que vraiment, savoir où on est, c'est quelque chose de tout à fait capital. Hein, plutôt que de dire des choses dans le bac en disant je fais, ouais, moi je fais de la musique. Un guitariste qui fait son impro, il va faire mi sol la ciré, comme ça. Hein, il sait qu'il est sur la gamme pentatonique. Mozart, il fait sa sonate facile, il sait que c'est en do majeur, il est sur les touches blanches de piano, et ainsi de suite. Et donc, exemple plus sophistiqué ici avec Debussy. Bien, là, je vais enfin donner la clé géométrique de Smoke on the Water, vous avez entendu magnifiquement interprété, enfin le début, tout à l'heure, avec un diagramme un petit peu compliqué que j'emprunte au bouquin de Dmitri Timofsko, Geometry of Music,
Là, c'est en fait tous les intervalles. Par exemple, si 0, c'est la note Do, on compte 3 notes au-dessus pour avoir 0,3. 0,3, c'est cet intervalle-là. 1,4, c'est celui-là. Alors, je peux faire, oui, une convention, c'est que pour 10 et 11, je mets T et E. Enfin, c'est lui qui le met. Là, vous voyez que sur cette ligne, j'ai tous les intervalles qui passent par 4. Donc, qui partent... par 4 sont sur une ligne comme ça, sauf que quand j'arrive au bord, vous voyez que pour garder la note 4, il faut que j'ai une réflexion comme un rebond sur la ligne du haut. Donc ici il y a un miroir, hein. C'est comme ça que ça se dispose. Si je vais dans l'autre sens, ici vous voyez que j'aurai toutes les notes qui passent par 0, par exemple toutes les notes qui passent par Do, elles sont soit dans cette direction là, soit dans cette direction ci. Ça c'est la direction quand j'ai une note fixée, c'est deux axes de coordonnées si vous voulez, mais ils ne sont pas horizontaux et verticaux comme d'habitude, ils sont un peu tournés. Pourquoi? Parce que comme ça, en haut et en bas, on a, ben, par exemple, en haut et en bas, on a les unissons, vous voyez, 0, 0, 1, 1, ça c'est deux notes égales. Donc c'est l'unisson ou l'octave. Et qu'est-ce qui se passe ici quand on arrive au bord? Vous voyez que là, j'ai toutes les notes qui passent par 4, tous les intervalles qui passent par 4, il y en a 12, mais ici, j'arrive à 4, 8, c'est un peu caché par la flèche, mais vous devinez, 4, 6, 4, 7, 4, 8, et ça repart ici, en fait. C'est-à-dire, vu dans l'autre sens, si vous préférez, j'aurai 4,8, 4,7, 4,6, etc., qui se placent de l'autre côté du miroir. Alors, qu'est-ce qui se passe si, en fait, j'essaie de dire que ces notes-là, ces intervalles-là, c'est exactement les mêmes qu'ici? Il y a une petite astuce, si je veux les identifier en les recollant avec du papier, des ciseaux et de la colle. Attention, il y a un truc, c'est que 0, 0, il est en haut à gauche et en bas à droite. Et le 4,8, là, il est plutôt en bas, alors que le 4,8, là, il est plutôt en haut. C'est-à-dire, ce côté-là, d'accord, c'est le même que celui-là, mais celui-là, il descend, et celui-là, il monte. Donc, il faut... Qu'est-ce qui se passe quand vous recollez une bande de papier, mais avec un demi-tour? Vous l'avez fait, ça? C'est pas du programme de maths, c'est des maths dites amusantes, en fait, c'est très profond. Ça fait un ruban de Möbius, inventé par Möbius. Et sur ce roman de Möbius, vous avez par exemple les quintes ou les cartes. Enfin, c'est pareil parce qu'on ne fait pas attention ici à l'ordre des notes. Ces quintes ou ces cartes, elles sont sur cette ligne un peu plus épaisse, qui normalement était orange, mais ça ne sent pas très bien, je trouve. Vous voyez, on a si mi, ici, fa, si bémol, qui sont sur le même segment vertical, mais qui sont de part et d'autre de l'équateur ici. Et donc, vous avez des cercles, entre guillemets, mais des cercles à deux tours. Sauf celui du milieu qui fait un seul tour. Et vous avez les unissons, on en a vu tout à l'heure, c'est le bord du diagramme, qui sont sur le cercle le plus extérieur, le cercle entre guillemets le plus extérieur. Là, c'est un petit peu abstrait, mais c'est quelque chose qui est très important dans la recherche mathématique du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est définir des espaces géométriques pour voir en fait des phénomènes, des entités musicales. Et ça, c'est l'espace qu'on appelle une orbivariété, enfin, peu importe le terme technique, où se trouvent les ensembles de deux notes, les intervalles. Voilà une animation d'actualité, bien sûr. On fabrique le ruban. Alors, le mieux, c'est qu'on ne peut pas vraiment peindre un ruban de Möbius en deux couleurs. Parce que quand on twist, ça fait le jaune qui vient sur le bleu. Le côté circulaire, enfin cyclique de la chose, et vous voyez qu'il faut faire deux tours pour remplir tous les unissons. Et maintenant, vous avez les quintes qui sont quelque part sur un petit bâton, en fait, elles ne sont pas aux extrémités, attention. Là, par exemple, on va repasser au même endroit, mais ce n'était pas la même quinte, c'est parce qu'il y en a une qui était là et l'autre qui était là. En vidéo dans leur show fameux à Tokyo. Voilà, donc
donc ça, c'est l'ensemble des intervalles, et je pense que vous ne saviez pas, hein, ils se baladent sur un ruban de Möbius. Alors, on va faire un autre espace géométrique. Combien il me reste de temps, hein? 10 minutes, ouais, ça devrait tout juste tenir. Un autre espace géométrique avec de la musique plus classique, où on a des accords. Des accords dits parfaits, majeurs et mineurs. Alors, tout simplement, on part de ce que je vous ai raconté déjà pendant presque toute la séance avec les quinze. Bon, j'ai pas tout mis parce que l'écran était trop petit. Et on va les compléter avec une note entre Fa et Do. Je vais mettre la tierce majeure. Merci. Et entre Do et Sol, je mets aussi la tierce majeure et pareil. Etc, etc. Alors, si vous avez fait un tout petit peu de géométrie vectorielle, je suis plutôt au courant des programmes, des vecteurs, des parallélogrammes, ouais. Bah, je dis que ce vecteur, l'ami, c'est le même que le vecteur Fado, parce que ça constitue un parallélogramme. Bon, autrement dit, l'intervalle entre, qu'on va trouver entre la et les yeux fermés sur la tête de ma mère, c'est le même que celui entre Fa et Do. C'est-à-dire que toutes les lignes horizontales, ici, tous les intervalles horizontaux vont être des quintes, sur tout le diagramme. C'est ce qu'on vérifie effectivement, hein, preuve par vérification. De ce fait, apparaissent aussi les triangles pointant bas. D'accord ? Ces triangles pointant bas, pour ceux qui ont fait la musique, vous reconnaissez l'amido. Bon, c'est pas de la chimie, hein, c'est de la musique. L'amido, c'est une. Un accord parfait, mais mineur. Hein. Le suivant, et celui-ci, c'est mineur aussi. Donc ceux pointant bas, ils sont mineurs, ils sont un peu plus tristes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la géométrie, que les majeurs, qui sont la pointe en haut sur ce diagramme. Alors, le diagramme, il n'est pas infini. Hein. La première version était infinie parce que les quintes étaient justes et ça ne se refermait pas. Mais la version moderne, ça se referme. Regardez par exemple, ici, on a Falado, et Falado, c'est le même triangle ici. Hein, donc, c'est pas tout à fait en face, alors c'est un petit peu difficile d'imaginer. Qu'est-ce qui va se passer si on recolle? Si on recolle, donc on va avoir 24 triangles, 12 majeurs et 12 mineurs, 12 points en haut, 12 points en bas, et ça se recolle ici avec Falado, qui vient sur Falado. Mais là, vous voyez qu'ils sont orientés pareil. À votre avis, c'est un ruban de Möbius? Ben non, c'est orienté pareil. Alors c'est un ruban tout court, cylindre. Pas vraiment. Oui, c'est un tore. Bravo, c'est le mot technique. Les Américains sont moins techniques, ils disent donut. Je vous jure, dans les bouquins de maths, c'est écrit donut. En plus, ils sont excellents là-bas. Je connais une adresse. Donc, cet espace ici contient 24 triangles majeurs et mineurs. Alors, c'est très facile de faire des. De faire des jeux comme ça d'accords majeurs, mais est-ce qu'on peut passer par tous les accords majeurs, tous les accords mineurs, et en passant, en bougeant au minimum? Par exemple, si je bouge une seule note ici, je passe de Do majeur à La mineur. Si je bouge cette note-là, j'arrive à un autre accord mineur. On peut, en fait, de trois façons bouger un accord majeur, vous le voyez sur le diagramme ici. Il faudrait qu'il s'arrête de bouger. Autour d'un triangle, vous avez trois autres triangles. Et est-ce qu'on peut bouger comme ça d'un triangle à un triangle toujours voisin, donc avec des déplacements en fait continus sur ce pneu, et passer une fois une seule par chacun des triangles? Ça, c'est un problème de théorie des graphes, en fait, qu'on appelle chercher un circuit hamiltonien, du nom de Hamilton. Il a inventé ça en 1856. Et la première solution de circuit hamiltonien a été trouvée par ce grand mathématicien, qui ne savait pas qu'il était mathématicien, je vous rassure, vous ne savez pas non plus, hein. Mais déjà lui, il ne le savait pas. C'est pas parce qu'il était sourd, hein, qu'il ne savait pas qu'il était mathématicien, mais il a fait ça sans faire exprès, dans sa 9e symphonie. Regardez, il y a une note qui bouge à chaque fois. Celle-là. Là. Vous voyez qu'à chaque fois, on a juste une note qui bouge et on obtient un nouvel accord parfait. On le voyait sur la partition en dessous.
hein, pour ceux qui lisaient la partition. Bon, les espèces de petits extraterrestres là, qui bougent, c'est à cause d'une formule très simple qui permet d'obtenir ces accords. Donc ça, c'est une solution. Et donc, c'est extraordinaire, parce que les graphes ont été inventés en 1730, voilà, par Euler. Beethoven donc, a trouvé la première solution d'un problème de théorie des graphes qui a été posé seulement 33 ans après, par Hamilton en 1856. Après, c'est en 1986 que Richard Cohen s'est aperçu que en fait, c'était un circuit hamiltonien, donc plus d'un siècle après, presque un siècle et demi après Beethoven, parce qu'il cherchait des parcours comme ça où on bouge une seule note quand même, ce qui est vachement important d'un point de vue pratique, parce que c'est juste des choses faciles à jouer si vous bougez un seul doigt, plutôt que de sauter et de risquer de tomber à côté des notes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'éminemment concret. Et en fait, ce problème des cycles hamiltoniens, c'est ce qu'on appelle un problème NP complet en informatique, s'il y en a qui connaissent, c'est-à-dire les problèmes les plus difficiles à résoudre. Comme le problème de trouver le chemin le plus court qui passe par plusieurs endroits, le problème des voyageurs de commerce. Les ordinateurs font ce qu'ils peuvent, mais il y a des problèmes si on a un peu trop de deux points. On sait qu'il faudrait plusieurs milliards de fois l'âge de l'univers pour les résoudre avec les ordinateurs les plus puissants qu'on puisse imaginer. Je ne dis pas construire, mais imaginer. Bon. Donc, est-ce qu'on peut trouver tous les circuits hamiltoniens qui passent par les 24 accords parfaits, majeurs et mineurs? Eh bien, ils ont été trouvés en 2009 par deux Italiens. Et ça permet donc, maintenant qu'on a la liste des 262 circuits, de faire de la musique. Et il y a beaucoup de compositeurs qui ont utilisé cette liste de cycles hamiltoniens que malheureusement, je n'ai pas le temps de vous passer ici. Je vais vous jouer à la place, j'ai 5 minutes. Ouais. Donc je vais vous jouer quelque chose qui est de moi, qui est fondé sur le principe de ce que vous avez vu dans Beethoven, avec le petit triade crawler, hein, qui se baladait comme ça sur des accords de 3 notes, pris dans une gamme de 7 notes. Vous aviez un cercle de 12, c'était les 12 notes, un cercle de 7, et à l'intérieur un cercle de 3, si vous vous souvenez. Alors j'ai fait pareil en changeant un peu les paramètres. J'ai pris un cercle, j'ai pris 8 notes parmi les 12 qui sont fixes, et je fais tourner un cercle à l'intérieur pour obtenir 5 notes parmi ces 8. Ces 5 notes me donnent ma mélodie. Et les accords sont pris parmi les 8 notes de la gamme. Donc. La gamme tétonique, les jazzmen ont reconnu la gamme demi-ton-ton. On dit aussi comme ça. Donc, ça, c'est une pièce que j'ai appelée la Leucatoise, en l'honneur d'une promeneuse sur la plage de Leucate. Bon, c'est une autre histoire, il y a de l'ombre.
très... Le sing kusho et le tresisho sont tout à fait complémentaires. Et la pièce que j'ai pas le temps de vous jouer, c'est la Milonga de l'Angel d'Astor Piazzolla, mon grand maître en composition de tango, décédé en 92, qui met en valeur cette complémentarité en fait de deux rythmes fondamentaux du tango. Il a travaillé sur cette technique un peu comme Debussy sur les gammes 70 ans avant. Donc ça veut dire que même les silences dans un rythme du tango, c'est encore du tango. Voilà, je vais arrêter là cette conférence en vous présentant quelques exemples d'espaces géométriques, dont certains sont quadridimensionnels, excusez du peu, qui sont effectivement des trucs utilisés par mes collègues chercheurs dans ce domaine. Et j'ai mon adresse, vous pouvez la voir par vos professeurs, si vous avez des questions à vous poser, je serais ravi d'y répondre pour TPE ou TIPE avant prépa, etc. C'est parti du job. Voilà, merci de votre présence.